Dans un rapport li publié dans date 16 d'août sur insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince, c'est tout dans Cafoufeuil, sans analyse à recherche sous affaire droit monde cadre, dili te identifié pour bêtis 15 monde qui est mouru assassiné, sans compter Zakaleja Kay qui détruit avec plus passé 10 000 monde qui déplacé dans quartier Saad et puis 13 d'août arrivé journée aujourd'hui. D'après directeur exécutif cadre là, maître Gédéon Jean, c'est gang grand ravine. Nakalie Lio, parmi yo gang 5 secondes, village des dieux qui fait attaque à Xam Sayo pour sauver en bas violence gang yo, moun qui habitait Kafoufeuille obligé courir, quitter la caillou et puis gagner tout partout dans zone qui alentour yo, côté yo prend refuge yo, nécessité pour joindre une façon pour renforcer marché kidnapping yo, pour joindre nouveau territoire avec moyen pour forcer la police la dégager, zone portant et les organes avec zone qui entoure Lio, c'est quelque parmi facteur cadre soulevé comme quoi c'est à raison ça yo qui t'a fait bandi yo attaquer citoyen yo comme ça en côté mettre Gédéon Jean à micro Michli Alexis. Dans le cadre de travail de monitoring des violences armées que CAD a fait et CAD publié les derniers rapports qui sont rapports partiels sur les violences à Kafoufeuille. Et rapport ça, il est publié sous titre « Violence des gangs à Kafoufeuille ». Le cadre réaffirme son appel à la protection de la population, au gouvernement et à la coopération internationale d'équiper la police au-delà des promesses et des négociations sur la force internationale. En termes de résumé, premier élément que le cadre recensé sur le terrain, eh bien, gagnent au moins 15 décès, 15 assassinats. Donc, gagnent parmi assassinats, moun qui assassiné Sayo, gagnent deux policiers, gagnent deux enfants bas âge, gagnent une quarantaine de blessés et gagnent 27 maisons qui incendiées. Donc, on a continué à rechercher information pour être capable de mettre à jour données Sayo. Parce que pas oublier que Kafoufeuille est constitué de 25 quartiers. Et dans 25 quartiers, ça a gagné en particulier 5 quartiers qui sont assaut gagné. Donc c'est Décaët, c'est en bas Figuier, c'est Jésus Miracle, c'est Bonnenel. Ok, c'est Savonne Pissal. Donc c'est 5 zones ça principalement, foncièrement, qui emploient à la violence des gangs armés. Maintenant, en termes de déplacés, et provisoirement, nous identifions 15 et endroits côté que déplacés internes yo localisés. Donc, c'est 15 endroits que nous identifions. Bien sûr, il y a d'autres déplacés internes qui, dans la zone métropolitaine, qui même allaient dans la ville de Provence. Donc, globalement, nous recensons 2000 familles. OK, 2000 familles. Donc, ça veut dire que ça va entre 5 à 6 000 déplacés. Et globalement, eh bien, nous estimons à environ 25 000 déplacés internes. Parce que, pas oublier que, Jean nous dit ça, et quand vous faites ces 25 quartiers, il y a principalement 5 qui touchaient, qui emploient à la violence des gangs. Et maintenant, en termes d'analyse, et quand tu soulignes ça, tu fais des analyses côté que nous t'es anticipé les cycles de violence sérieux. Le rapport Bois-Calais que CAD publié en mai dernier, en passant par le dernier rapport sur les enlèvements, donc deuxième trimestre, et le dernier rapport sur la violence à tabac. Donc, en termes d'analyse, nous t'es expliqué que pour un cycle de violence qui a développé, si par exemple de mesures qui adopté, puisque une logique de déplacement ouais, des axes de violence qui répondent en première question, en premier besoin. C'est que Gangyo même qui sautit en raison de Bois-Caléa, qui affaiblit kidnapping et les autres modes opératoires de gang, donc il est obligé de créer un marché. Donc on a commencé avec tabac, donc la police a intervenu, mais AXA a déplacé à l'hiver café. Donc ça, c'est son premier élément. Mais deuxième élément fondamental qui explique la question café là, c'est que le fait que la police renforce la présence les à Porta Léogan et ses environs, vient de besoin pour gang Gravine avec Tibois créer une sortie par Kafoufeuille, qui permet que yo gen accès à toute zone canapé vers Pétionville, Tujo, Boisvena, Delma, Croix des Bouquets, tout ça.
Donc c'est un élément fondamental qui expliquait et dynamique ça qu'on fait faire et qui rentrait dans la logique de renforcement, de consolidation. Pas oublier qu'à partir de la fin de 2022, les gangs ont pas l'entrée dans une dynamique de renforcement. Donc on a parlé de Crazy Barrière qui prend toute une partie à Pétionville, ouais, un peu vers est de Pétionville, toute la zone de du Vivier et Forjac, une partie de Montagne Noire. L'autre prend par exemple le gang de Timacac lui-même qui t'a renforcé dans toute zone et la Bounio, Thomas, etc. Et le gang de Gravine et Allier, c'est-à-dire on a parlé de Village de Dieu, qui lançait offensive depuis au mois de novembre de l'année dernière pour prendre la zone de Café, pas bien que zone Café là, non seulement les bail accès à la zone métropolitaine, mais ils surplombaient la zone métropolitaine. Donc, et d'autant plus que là, difficile pour la police faire des pénétrations dans la zone Sahara, dans la banlieue ça. Donc, raison ça aussi, qui expliquait fondamentalement les dernières violences. Mais malheureusement, nous avons une police qui n'a pas gagné équipement. Ça veut dire que la police n'a pas fait plusieurs opérations, elle n'a pas opéré sur plusieurs fronts en même temps. Parce que je dis à combien de policiers vous gagnez moins de 8000 policiers qui sont opérationnels. Vous gagnez même nous qui parlait de 6000. Pas bien que vous n'avez pas vu des statistiques. Vous gagnez moins de 8000 policiers opérationnels globalement pour 12 millions d'habitants. Donc, il y a un problème en termes de standards de protection. Mais en termes de matériel, son police qui n'a pas gagné hélicoptère, son police qui n'a pas gagné technologie de pointe, son police qui n'a pas gagné drone furtif. Or, pour opérer sous zone au Cafoufeuille, Mantissant, Village de Dieu, on a besoin des interventions aériennes qui baillent signal, qui baillent information pour pénétration au fait. Parce que sécurité, c'est une question de moyens. Donc nous-mêmes, pendant que nous-mêmes, nous appuyons l'envoi d'une force pour accompagner la police dans ses opérations, une force d'accompagnement pour établir la sécurité, mais le fait que force ça, la principale, le processus, le 14 août, le secrétaire général de l'ONU vient de présenter son rapport au président du conseil des options. Pour quelqu'un visite Kenya qui va le faire le 19, ou pour quelqu'un le vote de sécurité qui année, des questions logistiques, des questions tout. Donc, c'est pas demain qu'il faut s'en parler. Donc, entre-temps, qui va sécuriser la population? C'est la police, c'est la fait que nous-mêmes, nous dit pendant qu'il y a négocié sur l'option de la force, il faut que l'on donne des moyens concrets à la police nationale d'Haïti. Arrêtons avec les promesses. Ok, je dis, on a besoin d'équiper la police. Et puis, on a besoin de faire vetting dans la police en tout, on a besoin d'armer la police en tout, on a besoin de préparer des unités, ou besoin de prendre des sanctions à l'encontre des unités des policiers et corrompus. Donc c'est globalement ces éléments en termes de résumé qui sont dans le papier ça et que nous appelons à une protection de la population parce que la protection de la population, ça fait partie des obligations de l'État conformément à ses engagements internationaux. Donc c'est ce gouvernement qui agit pour le compte de l'État qui a l'obligation de protéger la population. Voilà, au tap côté déclaration maître Gédéon Jean qui lui-même t'a apporté certaines précisions autour de dernier document ça que centre d'analyse et de recherche en droits humains cadre lui-même les rend public. Dans un rapport publié dans la date 16 d'août sur l'insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince, c'est tout dans Cafoufeuille, sans analyse approchée sous affaire droit monde cadre, dit identifié pour bêtises 15 monde qui est mort assassiné, sans compter Zakadeja Kay qui détruit avec plus passé 10 000 monde qui déplacé dans quartier Saad et puis 13 d'août arrivé journée aujourd'hui. D'après directeur exécutif cadre là, maître Gédéon Jean, c'est gang grand ravine. Nakalie Lio, parmi yo gang 5 secondes, village des dieux qui fait attaque à Xam Sayo pour sauver en bas violence gang yo, moun qui habitait Cafoufeuille obligé courir, quitter la caillou et puis gagner tout partout dans zone qui alentour yo, côté yo prend refugio, nécessité pour joindre yon façon pour renforcer marché kidnapping yo, pour joindre nouveau territoire avec moyen pour forcer la police la dégager, zone portant et les organes avec zone qui entoure Lio, c'est quelque parmi facteurs cadre soulevé comme quoi c'est à raison ça yo qui t'a fait bandi yo attaquer citoyen yo comme ça en côté mettre Gédéon Jean à micro Michli Alexis dans cadre travail de monitoring des violences armées que CAD a fait et CAD publié
et dernier rapport qui sont rapports partiels sur les violences à Carrefour-Feuille. Et rapport ça, il est publié sous titre « Violence des gangs à Carrefour-Feuille ». Le cadre réaffirme son appel à la protection de la population, au gouvernement et à la coopération internationale d'équiper la police au-delà des promesses et des négociations sur la force internationale. En termes de résumé, premier élément que cadre recensé sur le terrain, eh bien, gagnent au moins 15 décès, 15 assassinats. Donc, gagnent parmi assassinats, moun qui assassiné sa yo, gagnent deux policiers, gagnent deux enfants bas âge, gagnent une quarantaine de blessés et gagnent 27 maisons qui incendiées. Donc, on a continué à rechercher information yo pour être capable de mettre à jour données sa yo. Parce que pas oublier que Carrefour-Feuille est constitué de 25 quartiers. Et dans 25 quartiers, ça a gagné en particulier 5 quartiers qui sont assauts gagnés. Donc, c'est Descaètes, c'est en Bas-Figuier, c'est Jésus Miracle, c'est Bonnenel. OK, c'est Savonne-Pissal. Donc, c'est 5 zones, ça a principalement, foncièrement, qui emploient à la violence des gangs armés. Maintenant, en termes de déplacés, et provisoirement, nous identifions 15 et endroits côté que déplacés internes yo localisés. Donc, c'est 15 endroits que nous identifions. Bien sûr, il y a d'autres déplacés internes qui, dans la zone métropolitaine, qui même allaient de la ville de Provence. Donc, globalement, nous recensons 2000 familles. OK, 2000 familles. Donc, ça veut dire que ça va entre 5 à 6 000 déplacés. Et globalement, nous estimons à environ 25 000 déplacés internes. Parce que, pas oublier que, Jean nous dit ça, et quand vous faites ces 25 quartiers, il y a principalement 5 qui touchaient, qui emploient à la violence des gangs. Et maintenant, en termes d'analyse, et quand tu as souligné ça, tu as fait des analyses côté que nous t'ai anticipé un cycle de violence sérieux. Le rapport Bois-Calais que tu as publié en mai dernier, en passant par le dernier rapport sur les enlèvements, donc deuxième trimestre, et le dernier rapport sur la violence à tabac. Donc, en termes d'analyse, nous t'ai expliqué que pour un cycle de violence qui a développé, si pas rien de mesures qui adopté, puisque une logique de déplacement des axes de violence qui répondent en première question, en premier besoin. C'est que Gangyo même qui sortit en raison de Bois-Caléa, qui affaiblit kidnapping et les autres modes opératoires de gang, donc il est obligé de créer un marché. Donc on a commencé avec tabac, donc la police a intervenu, mais AXA a déplacé à l'hiver Carrefour. Donc ça c'est son premier élément. Mais deuxième élément fondamental qui explique la question Carrefour là, c'est que le fait que la police renforce présence les à Port-Aléogane et ses environs, vient d'un besoin pour gang Gravine avec Tibois créer une sortie par Carrefour-Feuille, qui permet que yo gen accès à toute zone canapé vers Pétionville, Tujou, Boisvena, et Delma, Croix des Bouquets, tout ça. Donc c'est un élément fondamental qui expliquait et dynamique ça à Carrefour-Feuille et qui rentrait dans la logique de renforcement, de consolidation. Pas oublier qu'à partir de la fin de 2022, gang yo pral entrer dans une dynamique de renforcement. Donc on a parlé de Crazy Barrière qui prend toute une partie à Pétionville, ouais, un peu vers est de Pétionville, toute la zone de du Vivier et Forjac, une partie de Montagne Noire. L'autre prend par exemple le gang de Timakak lui-même qui t'a renforcé dans toute zone et la Bounio, Thomas, etc. Et le gang de Gravine et Allier, c'est-à-dire on a parlé de Village de Dieu, qui lançait offensive depuis au mois de novembre de l'année dernière pour prendre la zone de Carrefour. Pas oublier que zone Carrefour là, non seulement il y a accès à la zone métropolitaine, mais ils surplombaient la zone métropolitaine. Donc, et d'autant plus que là, difficile pour la police faire des pénétrations dans la zone Sahara, dans le banlieue ça. Donc, raison ça aussi qui explique fondamentalement les dernières violences. Mais malheureusement, nous avons une police qui n'a pas gagné équipement.
Ça veut dire que la police n'a pas qu'à faire plusieurs opérations, elle n'a pas qu'à opérer sur plusieurs fronts en même temps. Parce que je dis à combien de policiers vous avez? Vous avez moins de 8000 policiers qui sont opérationnels. Vous avez même nous qui parlons de 6000. Pas bien que vous n'avez pas de statistiques. Vous avez moins de 8000 policiers opérationnels globalement pour 12 millions d'habitants. Donc, il y a un problème en termes de standards de protection. Mais en termes de matériel, son police qui n'a pas d'hélicoptère, son police qui n'a pas de technologie de pointe, son police qui n'a pas de drone furtif. Or, pour opérer sous zone de Koukafoufei, Mantissan, Village de Dieu, d'avoir besoin des interventions aériennes qui baillent signal, qui baillent information pour pénétration au fait. Pour la sécurité, c'est une question de moyens. Donc nous-mêmes, pendant que nous-mêmes, nous appuyons l'envoi d'une force pour accompagner la police dans ses opérations, une force d'accompagnement pour établir la sécurité, mais le fait que force ça, la principale, le processus, le 14 août, le secrétaire général de l'ONU vient de présenter son rapport au président du conseil des options. Ou par le visite Kenya qui va le faire le 19, ou par le vote de sécurité qui année, des questions logistiques, des questions tout. Donc, c'est pas demain qu'il faut s'en parler. Donc, entre-temps, qui va sécuriser la population? C'est la police, c'est la fait que nous-mêmes, nous dit pendant qu'il y a négocié sur l'option de la force, il faut que l'on donne des moyens concrets à la police nationale d'Haïti. Arrêtons avec les promesses. Ok, je dis, on a besoin d'équiper la police. Et puis, on a besoin de faire vetting dans la police en tout, on a besoin d'armer la police en tout, on a besoin de préparer des unités, ou besoin prendre des sanctions à l'encontre des unités des policiers et corrompus. Donc c'est globalement ces éléments en termes de résumé qui est dans papier ça et que nous appelons à une protection de la population parce que la protection de la population, ça fait partie des obligations de l'État conformément à ses engagements internationaux. Donc c'est ce gouvernement qui agit pour le compte de l'État qui a l'obligation de protéger la population. Voilà, au tap côté déclaration maître Gédéon Jean qui lui-même t'a porté certaines précisions autour de derniers documents ça que centre d'analyse et de recherche en droits humains cadre lui-même les rendre public.